observe, on analyse et on débloque. Mais ça te va pas du tout, cette coiffure? Ah bah arrête, t'es pas gentil de dire ça. Je vais plus oser sortir, maintenant. Oh bah non, on le prend pas comme ça, je dis pas ça pour te vexer. On dirait des petites coquilles Saint-Jacques. C'est super mignon. Bah vous tombez bien, chef. Bonjour Tom, bonjour Zoé. Aujourd'hui, votre mission concerne Vera. Vera a 10 ans, c'est une petite fille vive, très franche, trop franche parfois. Et là, par exemple, eh bien, avec sa copine Lola, ça risque de ne pas très bien se passer. Alors allez-y les agents débloqueurs, ne perdez pas une minute, c'est à vous de jouer maintenant. Vous avez révisé le contrôle de maths? Oui, moi j'ai pas eu le temps hier soir. Tu penses qu'il est dur? Ouais, il a l'air trop dur. Tu me rassures pas. Moi, je suis encore un peu en train de réviser. Viens, mon anniversaire. Ah oh ouais, merci, trop cool. Tiens, mon anniversaire. Ouais. Il paraît qu'il est hyper dur. Arrête. Tiens, Vera, samedi, je fête mon anniversaire. On va danser. Avec ma mère, on a fabriqué une méga piñata. Tu viens, hein? Non. Oula, la petite Lola, là, elle est complètement choquée. Bon, je t'envoie sur place. Oui, et si tu pouvais me téléporter au bon endroit? Zoé? Bah ouais, comme tu dis, oups. Elle est où, Vera? Ça va, Vera? Ouais, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu veux pas aller à la fête de Lola? Je lui ai juste dit que j'avais pas envie de venir à sa fête parce que j'aime pas danser et j'aime pas quand il y a trop de monde. Je peux continuer à colorier? Mmh. Je reviens. Ça va? Alors oui. Il paraît que t'as invité Vera à ton anniversaire et elle veut pas venir. On veut pas venir. Pourquoi? Je sais pas. Ça fait de la peine? Moi, tu sais, je crois que... En fait, c'est pas contre toi. C'est juste que... Bah, que c'est pas son truc, elle aime pas danser. Mais pourquoi elle me l'a pas dit alors? J'aurais compris. Vera ne veut pas aller à l'anniversaire de Lola. Elle n'aime pas les fêtes et elle en a tout à fait le droit. Mais lorsqu'une personne te propose une activité ou t'offre quelque chose, c'est le plus souvent pour te faire plaisir. Ça peut arriver que ça ne te plaise pas ou que ça ne t'intéresse pas. Dans ce cas-là, il faut trouver une façon de lui dire sans lui faire de peine. C'est ce qu'on appelle mettre les formes. Pour cela, on peut se servir de plein de techniques différentes. Commençons par le ton de la voix, c'est-à-dire la façon dont on utilise sa voix. En général, c'est mieux de dire les choses de façon calme. Tom, on se fait des crêpes? Non, j'ai pas envie. Ton dur, énervé, limite agressif, moi j'aime pas du tout ça. Allez Tom, rattrape-toi. Tom, on se fait des crêpes? J'ai pas envie. Ton calme, doux, c'est beaucoup mieux. Je reçois l'information et je ne suis pas fâchée. Une autre façon de refuser en douceur, c'est d'expliquer pourquoi je refuse. Ça permet à l'autre de comprendre ce que je ressens et d'accepter plus facilement sa réponse. Tom, tu veux venir au vivarium avec moi? Non, j'ai pas envie. Version zéro explication. Pas terrible. Moi, ça me vexe. On la refait. Tom, tu viens au vivarium avec moi? Non, j'ai pas envie de venir. Le vivarium, c'est pas trop mon truc. Puis les serpents, ça m'angoisse. C'est le truc qui me fait le plus peur au monde. Ah bah là, je comprends. Comme ça, au moins, je sais que c'est pas contre moi et il n'y a pas de problème. On va aller s'entraîner au jeu de Je te le dis en mettant les formes. Fermez les yeux, je vous téléporte dans l'espace d'expérimentation.
Ici, tu es chez toi. Tu peux apprendre et t'entraîner sans risque. Les phrases qu'on va s'envoyer vont être représentées par des balles différentes, selon les mots qu'on va choisir et le ton qu'on va employer. Tu es prête? Question numéro 1. Ma mère a fait du gâteau au chocolat. Tu en veux? Non, j'en veux pas. Ouch! Ça fait mal! Parce que tu me l'as dit en criant, sans aucun mot gentil, ni aucune explication. Tu crois que tu peux essayer de me le dire autrement? Non merci, je n'ai pas très faim. Voilà, là c'est beaucoup plus clair. Je comprends pourquoi tu n'en veux pas. Maintenant, c'est à toi de me poser une question. Tu veux jouer à l'élastique? Non, c'est nul. Aïe! Ah oui, ça fait mal. Alors attends, on va trouver autre chose. Non, je n'ai pas envie de jouer à l'élastique. Je préfère jouer aux cartes. Ah oui, c'est clair. Maintenant, je préfère recevoir celle-ci. Vera, t'es sûre que tu veux pas venir samedi? Ça va être trop cool. Non, merci, c'est gentil. Je n'aime pas trop quand il y a trop de monde et je n'aime pas danser. Ah ok, peut-être une autre fois, toutes les deux. Peut-être. Pour refuser sans faire de peine, je mets les formes. Je prends un ton de voix calme. J'explique mes raisons. Thank you.